Chers amis, dans quelques jours, vous allez voir apparaître une petite exposition sur les piliers de la basilique Notre-Dame de la Victoire à Saint-Raphaël. C'est une modeste petite contribution pour retracer l'histoire de la basilique depuis les premiers plans qui ont été élaborés par Pierre Aublet jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques faits marquants, bien sûr la construction, les tours, l'orgue. Nous voyons aussi apparaître les vitraux après la Deuxième Guerre mondiale. Et toute cette exposition, ça veut nous conduire aussi jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez vu, elle a besoin d'un nettoyage en profondeur, cette belle basilique que nous aimons tant. Dans les restaurations que nous envisageons et qui sont à notre charge, à partir de l'automne prochain, il y a d'abord une grosse tranche qui est celle du ravalement de tous les murs de la basilique. Il y a une espèce de crépi qui s'est noirci avec le temps, qui est en mauvais état, qui cache quelques fissures. Nous allons le retirer grâce à des échafaudages et des nacelles pour mettre un enduit naturel de chaux. Toutes les parties de pierre apparentes seront relustrées pour redonner à la pierre son aspect d'origine. Le tympan sera refait identique. Le bel archange qui est dans le cul-de-four au-dessus de l'autel sera lui aussi remis dans son état d'origine. Il y aura quelques aménagements liturgiques pour embellir aussi le chœur, notamment un beau tabernacle dont l'architecture reprendra celle du clocher de la basilique. Voilà. Il y aura aussi, si nous pouvons, nous aimerions bien aller jusqu'au relèvement de l'orgue, c'est-à-dire une restauration en profondeur. Nous avons un orgue magnifique qui sonne très bien, mais qui a besoin d'une restauration en profondeur. Si vos dons sont assez généreux, nous pourrons aller jusqu'au bout de cette rénovation. Je vous invite à venir voir cette petite exposition et vous y trouverez évidemment aussi un petit appel aux dons parce que tout cela ne peut pas se faire sans votre contribution. Chaque euro compte. Merci beaucoup de votre générosité.